Bonjour, alors avant toute chose, bon, parce qu'il faut tout vous expliquer. Alors, le truc qui me fait d'abord beaucoup rire, c'est qu'il y a des gens sur ma chaîne qui me suivent depuis très longtemps, donc qui connaissent mes titres. C'est-à-dire que quand je dis coup d'arrêt, ça veut dire que le maître de midi est arrivé en coup de maître et il n'a pas fait de coup de maître, donc coup d'arrêt. Élimination, ça veut dire qu'il a été éliminé. Coup d'arrêt, ça veut dire que quand il arrive en coup de maître, eh bien hier, il a gagné. Je ne vous entends pas. Il a gagné Walou. Bon, passons. Alors sinon, bon, bah, le maître de midi se fait défoncer sur Internet, hein, mais c'est pas de sa faute. Le truc, tout le monde le traite de tous les noms, etc. Mais c'est pas de sa faute. S'il reste dans le jeu, c'est la mécanique du jeu, comme l'avait expliqué Jean-Luc Reichmann. Donc, en plus, bon, alors je sais pas si c'est parce que, bon, voilà, c'est une famille et que ça peut faire plaisir, je sais pas. Mais bon, je vois pas tellement l'intérêt de le faire gagner autant. Et là, pour l'instant, Jean-Luc Reichmann, il s'en fout un peu. Hein. Là, il est en Corse. Il est en vacances, il a enregistré ses émissions jusqu'à début septembre. Donc, mais le problème, c'est que jusqu'à début septembre, on ne peut rien changer dans l'émission. Hein. Ça veut dire que, bon, si Yael ou le prochain maître de midi, quand il sera éliminé, sera là, ils auront les mêmes avantages et donc les mêmes critiques sur Internet. Et quelque part, ça entache un petit peu TF1. Donc, moi, si j'avais un conseil à donner à TF1, c'est. Bah, je sais pas, masquer je sais pas, essayer de masquer un petit peu plus vos avantages, parce que bon, ça se voit, on a l'impression que c'est des tours de magie, comme si c'était Garcimore. Donc bon, bah je sais pas, ils font ce qu'ils veulent, donc voilà, donc pour l'instant le maître de midi est toujours maître de midi. Mais le truc qui est rigolo, c'est que bon, il est avantagé, mais il gagne pas une thune, parce que bon, comme je l'ai dit, il a toujours des coups d'arrêt, donc voilà. Bon, allez, je vous dis à plus tard, bye bye.